Ici, on continue sur l'unité 4 et puis sur la leçon 16, propriétés et sources. Alors, on va continuer ici. Donc, nous avons déjà parlé des sources lumineuses, on a fait déjà une définition. Maintenant, comment la lumière se propage? Alors, là, il y a un principe, donc ce qu'on appelle la propagation de la lumière, on va l'écrire ici. Donc, ici, on va écrire simplement comme ça, hein. La lumière se propage en ligne droite. En ligne droite. Alors, comment on appelle ça? Ben, les physiciens appellent ça, ils l'appellent la propagation linéaire. C'est la propagation linéaire de la lumière. C'est la propagation. Propagation linéaire de la lumière. Alors, est-ce qu'on peut prouver que la lumière se propage en ligne droite? Oui, on peut le prouver. Ben, il y a une expérience facile, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Donc, l'ombre prouve que la lumière visible, bien sûr, quand on parle de lumière, on va parler de la lumière visible, que la lumière se propage en ligne droite. Alors, regardons un exemple. Disons par exemple, moi, que j'ai un objet. Disons un objet, je vais mettre ici un objet. Un arbre, par exemple. Comme ça. C'est un arbre. Ben, c'est une expérience que tout le monde connaît. Si j'ai le soleil ici, eh bien, qu'est-ce que je vais voir dans le sol? Eh bien, tout simplement, je vais voir l'ombre de l'arbre. OK? On pourrait même se protéger avec l'ombre de l'arbre. Hein. S'il fait soleil et puis il fait chaud, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut se protéger à l'ombre, par exemple. Soleil. Donc, je vais mettre son ombre. Ici, par exemple. Oh, je vais le mettre en noir parce que l'ombre est généralement noire. Hein. Après, ici, on va le voir comme ça. Et qu'est-ce que je vais voir ici? Je vais voir la chevelure de l'arbre. Comme ça. Et si je le regarde comme ça, eh bien, ça c'est l'ombre de l'arbre. Donc, normalement, il est tout noir. Je vais le mettre comme ça. Et puis, pour le prouver, eh bien, tout simplement, regarde. Si je prends un rayon lumineux du soleil, qui provient du soleil, normalement, il va partir, par exemple, comme ça. Oh. Okay. Alors, on va effacer ça et on va le prendre. Comme ça, et comme ça, et là on va le prendre comme ça. Ça devrait me donner. Alors je vais changer mon soleil pour que mon schéma ait un sens. Donc moi je mettrai mon soleil ici par exemple. Pour que ça fonctionne, je vais mettre mon soleil ici. Comme ça. Et le soleil, comment il forme l'ombre? Ben il la forme comme ça. Un exemple comme ça. C'est ici, hein. Et puis j'ai l'autre qui est comme ça, ici aussi. Et j'aurai une autre qui est comme ça. Hein. Donc, c'est ça le soleil, comment il forme l'ombre, etc. Donc, la même chose ici. Hein. Alors, donc, la lumière, bien, l'ombre prouve que la lumière se propage en ligne droite. Alors, on va faire un petit. Donc, je vais effacer tout. Et maintenant, je vais faire un petit dessin. Pour montrer ça, hein, donc on va prendre deux sources. Donc là, on va faire ombre. Donc là, on va détailler un petit peu l'ombre. On va faire, donc on a fait un, donc on va faire ici ombre. On va parler un peu en détail de l'ombre. On va prendre une source ponctuelle. Une source ponctuelle, c'est une source qui peut être vue comme un point. C'est-à-dire source ponctuelle. Source ponctuelle. Et si je prends une source ponctuelle et disons que j'ai un obstacle qui est là, comme ça, et puis que j'ai un écran. Donc je vais mettre un écran derrière, qui est comme ça.
Et qu'est-ce que je vais voir dans l'écran? Eh bien, ma source, si je regarde, eh bien, normalement, c'est comme ça, on peut faire cette expérience, mais j'aurai un rayon le rayon le plus loin, c'est lui. Et puis, l'autre rayon qui pourrait traverser, c'est lui. Comme ça. Et qu'est-ce que je vais voir, c'est-à-dire sur l'écran? Eh bien, je vais voir une tache noire qui est là. Alors, le rayon, il part comme ça. Et l'autre rayon, il part comme ça. Alors, est-ce que, par exemple, si moi je suis ici, ça c'est je suis dans la source ici, et si je regarde ici, ben, tout ce qui est là, je ne pourrais pas voir qu'est-ce qui se passe ici. Ben, tout ce qui est ici, sur l'écran, je ne peux pas le voir. Par contre, je peux voir ce qui est là. Pourquoi? Parce que la source peut l'éliminer. Et je peux voir ici parce que l'obstacle ne les cache pas. Alors maintenant, si la lumière n'était pas, tu pourrais dire, oui, mais si la lumière ne se propage, c'est-à-dire ne se propage pas une ligne droite, il peut se propager d'une manière courbe, et bien peut-être que la lumière pourrait faire par exemple comme ça. Et comme ça, je serais capable de voir ce qu'il y a. Si la lumière peut se propager, c'est-à-dire d'une manière courbe, il pourrait faire comme ça. Il pourrait faire comme ça aussi. Et je pourrais voir ce qu'il y a. Puisque je ne peux pas voir ce qui est derrière l'obstacle, c'est la preuve que la lumière ne se propage pas d'une manière courbée. Hein. Parce que si la lumière pouvait se courber, je pourrais voir ce qui est derrière l'obstacle, ce qui n'est pas possible. Et puisqu'il n'est pas possible, ça veut dire que la lumière se propage en ligne droite. Alors, bien sûr, si tu pars à l'université, tu vas apprendre qu'en fait, la lumière suit le chemin le plus court. C'est pour cela qu'il suit une ligne droite. Et, par exemple, dans notre environnement, le chemin le plus court entre deux points, c'est une ligne droite. C'est pour cela que la lumière va suivre une ligne droite. Mais dans la réalité, la lumière suit le chemin le plus court. Si le chemin le plus court est une droite, il va être une droite. Et dans la réalité, dans la majorité des cas, ben, le plus court chemin, c'est une droite. C'est pour cela que la lumière. Mais l'ombre prouve que la lumière suit une ligne droite. Alors ça, c'est une source ponctuelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Alors encore une fois, dans l'ombre, ce qui est derrière ici, je ne peux pas le voir. Il m'est tout caché et c'est tout noir. Hein. Alors ça, c'est quand on a une source ponctuelle. Quand on n'a pas une source ponctuelle, ce qui est dans la réalité, eh bien, il y a ce qu'on appelle le pénombre. Donc on va écrire ici pénombre. Maintenant, si ma source n'est pas ponctuelle, ça veut dire n'est pas un point. Et ça, c'est la réalité. Si je prends, par exemple, une lampe à incandescence, comme on l'a vu, hein, comme ça, une lampe. Eh bien, il y a le filament ici. Hein. Eh bien, la lampe à incandescence n'est pas un point. OK? On appelle ça une source étendue. Source étendue. Pourquoi c'est une source étendue? Parce que ce n'est pas un point. OK, alors si j'ai une source étendue, on va faire la même expérience. Alors maintenant, je vais effacer. Je vais effacer ici parce que ça va. J'aurai besoin d'espace. Je vais effacer ici, mais je laisse source ponctuelle. OK. Et là, je vais faire un obstacle. Ici. Disons que j'ai mon obstacle ici. Et j'ai, bien sûr, je vais mettre. Mon écran sur lequel je vais voir, je vais le mettre ici. Par exemple. Voilà, ça c'est mon écran. Ah, on va le tracer encore. Ça c'est mon écran. Voilà. Alors maintenant, comment l'image va-t-elle se former? Eh bien, je prends les deux points. Là, ici, je vais prendre les deux points extrêmes où la lumière peut sortir. Il peut sortir d'ici, il peut sortir ici, il peut sortir de n'importe. Mais les points extrêmes, les deux extrémités de ma source étendue, c'est ici et c'est ici. Et là, je vais tracer mes rayons. Mon premier rayon, eh bien, la lumière, comme c'est la ponctuelle, la lumière va partir comme ça. Voilà, premier rayon. Et j'ai un rayon qui va partir comme ça. Voilà. Donc, pour cette source-là, donc ce qui est caché, donc je mets les rayons comme ça, et ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. Donc, les rayons comme ça, donc cette partie-là n'est pas visible. Alors maintenant, regardons ce point-là. Celui que je vais mettre en vert. Pour lui,
Il va regarder l'obstacle et qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va passer comme ça. Voilà. Et il va passer comme ça. Voilà. C'est pour cela que la source est étendue. C'est parce que j'aurai deux zones qui seront de l'ombre. Alors, je vois que cette zone-là, pour le rouge, si je suis ici, je pourrais la voir, cette partie-là. Hein. Donc, cette partie-là, je pourrais la voir. Si je suis rouge, je pourrais la voir. Je vais la mettre en rouge. Si je suis rouge, je peux voir cette zone-là. Ici. OK. Elle est cachée pour le vert, mais le rouge peut la voir, cette partie-là. Même chose ici. Cette partie-là, elle est cachée pour le rouge, mais le vert peut la voir. Comme ça. Eh bien, ces deux zones-là ne seront pas complètement. Ben, elles sont dans l'ombre. Premièrement, celle-là, on l'appelle l'ombre. Ça, c'est vraiment l'ombre. Il n'y a rien, on ne peut pas voir. Parce que si tu es ici, le rouge ne peut pas permettre de voir ça. Ni le vert. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Et là, elle est sombre, elle est noire. Cette zone-là. Par contre, la zone-là, elle est. C'est-à-dire, c'est de l'ombre pour le vert. Mais il est éliminé par la source qui est là. Et puis celle-là, on l'appelle pénombre. Cette partie-là, donc je vais les mettre avec une autre couleur. Je vais les mettre peut-être avec cette partie-là. Je vais la mettre avec du bleu. Et cette partie-là, on les appelle le pénombre. Et celle-là, pénombre. Ce qu'on appelle le pénombre. Et elle n'est pas complètement noire, elle est grise. Et c'est facile à faire cette expérience pour les voir. Hein? C'est la partie grise. Donc, et ça aussi, ça prouve que la lumière se propage en ligne droite. Okay? Maintenant, je vais effacer ça. Et puis, ou bien je vais le faire sur une autre. Je vais le faire sur celle-là ici. Une autre pénombre, c'est-à-dire l'ombre et pénombre avec une source qui n'est pas ponctuelle, ben on va faire deux. On va faire ponctuel et non ponctuel, mais avec un objet qui est circulaire. Par exemple, si tu as un objet circulaire qui est un obstacle circulaire, c'est un obstacle circulaire, comment il va paraître sur un plan? Donc, si je vais le regarder dans un plan, je vais le mettre ici. Je vais essayer de le mettre en 3D. Hein. Et comme ça. Et bien, celui-là ici, il va cacher la lumière. Donc, je vais le mettre comme ça. Ici, il va cacher la lumière ici. Et au fond, qu'est-ce que je vais voir sur le plan ou bien sur l'écran? Ben, je vais voir tout simplement un cercle. Un gros cercle ici, hein, un gros cercle noir. Et c'est ça ce qui va être l'ombre. Hein. Tout ça sera ombré, c'est l'ombre qui sera cachée par qui va être cachée par ça. Hein. Tout ça sera caché. Hein. Donc, je pourrais voir d'autres rayons aussi, hein, pour que ce soit donc, un autre rayon ici. Il va être ici. Et un autre rayon. Il va être ici. Hein. Alors, tous ces rayons-là vont cacher. Qu'est-ce que je vois? Bien sûr, mon cercle n'est pas vraiment un cercle. Je ne l'ai pas réussi à cause du logiciel. Mais ça va être un cercle dans le plan. Maintenant, et ça va être tout simplement de l'ombre ici. Hein. Donc, tout ça est noir, ce cercle-là. Ça va être complètement noir ici. Hein. Complètement. Hein. Parce que c'est une source ponctuelle, encore une fois. Hein. Ça, c'est source ponctuelle. Source ponctuelle. Maintenant, si j'ai une source qui n'est pas ponctuelle, mais une source étendue. Donc, je vais l'effacer. Et je vais essayer encore de faire ça, même si c'est un peu pas facile. Alors, je vais faire une source étendue. Je vais le faire tout simplement. Je ne vais pas la compliquer. Je vais mettre une source étendue comme ça. Hein. Donc, ça, c'est mon filament. Le filament de la lampe, par exemple. C'est ça. Alors, je vais mettre aussi ici un obstacle circulaire. Et j'aurai bien sûr
un écran où je vais projeter tout ça. Donc, je vais mettre ici. Et là, qu'est-ce que je vais voir? Eh bien, même chose. J'aurai les points qui sont là, par exemple lui. Alors, quel rayon il va faire? Alors, il va faire des rayons comme ça. Un rayon comme ça. Et puis, le point le plus bas ici, on va le faire avec du vert. Lui aussi, il va faire des rayons. Donc, je vais mettre comme ça. Et il va faire un rayon comme ça. Ici, je regarde, qu'est-ce que je vais regarder au fond dans mon écran? Eh bien, voilà ce que ça va donner. Ça va donner une ombre circulaire, comme tout à l'heure, mais ça va encombrer tout simplement ici. Ça va être, celui-là, c'est l'obstacle. Hein? Ça, c'est un obstacle ici. Et ça va être entouré de quoi? D'une pénombre. Comme ça. Sur l'écran. Et celle-là, ça va être grise. Je mettrai tout simplement grise. Hein. Celle-là, ça va être noire. Voilà. Donc, je vais avoir, tout simplement, je vais avoir un cercle et entouré d'un autre cercle, comme un beignet. Celui-là, ça va être complètement noir et lui, ça va être gris. Hein, au fond. C'est ça. Alors, bien sûr, alors je vais effacer maintenant tout ça. Alors, tu pourrais rejouer toujours la vidéo si tu veux revenir. Alors, quels sont les bénéfices, les bénéfiques, ou bien les, c'est-à-dire les avantages de l'ombre? Eh bien, on l'utilise chaque jour. Pourquoi on a le jour et la nuit? À cause de l'ombre. Parce que si je regarde le soleil, bien sûr, le soleil est plus gros que la Terre, donc je mettrai un gros soleil comme ça. Et j'ai la Terre qui est là. Ça, c'est la Terre, ça, c'est le soleil. Eh bien, quand la Terre fait face au soleil, on a le jour. Mais pourquoi on a la nuit? C'est grâce, donc ça c'est comme ça, hein? Et comme ça. Et j'aurai l'autre rayon comme ça, et l'autre comme ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a la nuit. On a ici, ça c'est l'ombre. Et c'est comme ça, comment, et quand la Terre tourne, eh bien, ça veut dire l'ombre nous protège, c'est l'ombre qui nous donne le jour et la nuit. Si les rayons ne se propageaient pas en ligne droite, eh bien, on n'aura pas de nuit parce que les rayons pourraient faire comme ça. Hein. S'ils peuvent faire comme ça, eh bien, tout simplement, il n'y aura pas de nuit sur la Terre, il n'y aura que le jour. Donc, c'est parce que la lumière se propage en ligne droite et ne se propage pas en courbe, qu'on pourrait avoir le jour et la nuit. Donc le jour et la nuit. Voilà. Donc ça, c'est les bénéfices de l'ombre. Alors, il y a un autre phénomène qui lie avec l'ombre, c'est ce qu'on appelle l'éclipse. Eh bien, regardons par exemple, j'ai le soleil. Il est là. Et puis j'ai la Terre. Et puis j'ai la Lune. Regardons le cas où la Lune est un obstacle qui va cacher le Soleil. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, si on trace les rayons encore, donc j'aurai un rayon qui est comme ça. Donc je vais le mettre avec un bâton bleu. Comme ça. Un autre rayon qui sera comme ça. Alors, je vais agrossir un petit peu la Terre, hein, parce qu'elle est trop proche que... Alors, attends. Parce que la Terre est un peu plus proche. Est un peu plus proche ici. Voilà. Attends, je vais faire un peu chez moi. Je vais le reprendre. Je vais reprendre tout. Alors, j'ai le soleil, j'ai la lune, et j'ai la terre. Comme ça.
Donc ça c'est l'une, ça c'est la Terre et ça c'est le Soleil. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, j'ai un rayon qui va partir comme ça. Voilà. J'ai un autre rayon qui doit partir comme ça. Okay. Même chose, j'ai un rayon qui va partir. Ah. J'ai un autre rayon qui va partir comme ça. Et un autre rayon qui va partir comme ça. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura une partie où il y aura l'éclipse totale. Par exemple, c'est cette partie-là. Ceux qui se trouveront ici ne verront rien. Ceux qui vont se retrouver ici, ils vont voir une éclipse comme ça, hein? Donc, ceux qui se trouvent dans la pénombre, ils vont voir une petite éclipse. OK? C'est ce qu'on appelle éclipse de la Terre par la Lune. De la Terre par la Lune. C'est tout simplement dans la Terre, on va voir l'ombre et la pénombre de la Lune. Hein, tout simplement, l'ombre et la pénombre. Donc ça, c'est l'ombre. Ombre de la Lune. Et puis ici, il y aura la pénombre de la Lune. Pénombre de la Lune. Donc voilà pour l'ombre et la pénombre. Alors, il nous restera une troisième partie où on va parler un petit peu des courants, des spectres électromagnétiques et puis des couleurs, hein, comment les couleurs, la perception des couleurs. Et c'est tout. OK, donc on va arrêter ici.